Alors, l'invité du soir, on innove. Eh oui, faut bien changer de temps en temps. Donc ce soir, nous recevons un invité. Il était au maquillage tout à l'heure, là, j'espère qu'il est prêt. Ok, d'accord. Eh bien, écoutez, on va l'accueillir sous vos applaudissements. Tous ensemble, tous. Bien. Donc, je ne peux pas vous dire son nom, puisqu'il tient à conserver l'anonymat, hein, n'est-ce pas? C'est bien vrai? C'est exact. Très bien. Donc, c'est un invité un peu particulier, puisqu'il exerce une profession tout à fait bizarre, même étrange aussi, mais bon, que je ne connaissais même pas. Hein. Qu'est-ce que vous exercez comme profession? Je suis manifestant professionnel. Voilà, manifestant professionnel. Alors, écoutez, vous manifestez où, quand Déjà, pour être manifestant professionnel, il faut faire des hautes études, monsieur. Oui, très bien, d'accord. Mais comprenez qu'il y a des gens qui ont quand même des idées revendicatives, qui voudraient bien manifester, mais bon, qu'ils ne peuvent pas, puisqu'ils ont une activité professionnelle, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, c'est ça. Qui continuent à travailler, nous on est là pour ça, pour manifester. Oui, d'accord. Travailler. Mais d'accord, mais comme je vous le disais, ils ont un boulot et ils ne peuvent pas se trouver dans la rue. C'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes partout pour le soutenir. Dans les réunions, partout. D'accord, d'accord. Donc, si je comprends bien, vous faites des réunions de 5 à 6 personnes et, bien sûr, le grand meeting au Stade de France. Bien, tout à fait d'accord avec vous, monsieur. Tout à fait. Et puis, il faut bourrer. Le parti nous dit de bourrer au maximum. On va bourrer, on va bourrer. Mais tout à l'heure, vous m'avez dit que pour donc être manifestant professionnel, il fallait faire des études. Alors, est-ce qu'il y a une école, une formation pour cette activité? Oui, c'est... Déjà, c'est pas tout le monde qui choisit pour être manifestant professionnel. Eh oui, j'en doute. Il faut faire de hautes études, pour pas dire très hautes études, et ça dure 2 ans. D'accord. Mais à quelle école, alors? Alors, l'école s'appelle... C'est IDEM. Ah. Et alors, ça veut dire... Institut des hautes études pour manifestants. Très bien. Donc, c'est un cycle, je crois, de 2 ans. Et qu'est-ce que vous faites donc la première année? C'est-à-dire la première année, nous faisons d'abord de la théorie avant de faire de la pratique. Oui, mais calmez-vous. Non, théorie, allons-y, calmez-vous. Oui. Alors, la théorie, bien sûr, c'est la confection de banderoles. Oui. La formation et la déformation de cortèges. Oui. Les slogans politiques, oui. Tels que président à bord, l'automne sera chaud. Tous ensemble. D'accord, calmez-vous. Oui, enfin, tout ce qu'il faut savoir pour faire partie d'une manifestation. C'est ça. Voilà, et alors, la deuxième année, ce sont des travaux pratiques? La deuxième année, c'est le pratique. Il faut avoir un bon physique. Parce que, déjà, il y a le lancer des pavés, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, oui. Il y a la protection avec les couvercles de poubelle, oui, contre les matraques. Oui, d'accord. Parce que ces salauds, ils nous tapent. Oui, bien entendu. Après, il y a la confection des cocktails Molotov. Ah, aussi. Et puis, vous savez, on met le feu partout, on apprend à craquer une allumette et à foutre le feu, monsieur. Ah, vous êtes au point, vous, hein, ouais. Et on fait aussi des formations dans les partis politiques de gauche, de droite et d'extrême droite. Bien sûr, un peu partout. D'accord. On ratisse large, monsieur. Très bien. Ouais. Et bien sûr, je pense que le port du casque est obligatoire. Ah, oui, parce qu'on voit que vous n'avez jamais brisé des vitrines ou les éclats de verre. Tombe là-dessus, monsieur. Ah, oui. Et oui, il faut se protéger, c'est sûr. Heureusement, parce que sinon, vous savez, déjà que j'en ai pris pas mal, oui, continuez. Très bien. Alors, donc, au bout de ces 2 ans, je pense qu'il y a quoi? Il y a des diplômes, il y a quelque chose qui vous est remis? Ah oui. Là, c'est le moment important. 2 ans, et pour certains, c'est beaucoup plus. Hein. Oui, mais enfin, pour vous, je pense que ça a été 2 ans. Moi, ça a été 2 ans parce que je suis un très bon élève. Voilà. On a les prix des partis politiques de gauche et les prix des partis politiques de droite avec un jury, n'est-ce pas? Oui. Donc, on a le prix Philippe Martinez. Encore lui. Philippe Martinez, du meilleur manifestant de gauche. Eh oui. Ou du plus gros coupeur de courant. Vous pouvez pas être là, non? Non, calmez-vous. Et ensuite, on a Dupont Aignan, bien sûr, pour le parti de droite, le grand prix de droite, le et aussi pour le plus gros coupeur de tête. Ah, aussi. Ouais, aussi. Le meilleur manifestant de droite, alors, vous voulez dire. Indubitablement. Oui, il en faut pour tous les coups. Oui, voilà. Eh bien, écoutez, c'est très bien tout ça. Je vous remercie d'être passé.
Oui, un problème? Oui, ça, c'est bon, je ne peux pas rester plus longtemps parce que il faut que j'aille à une manifestation sur la place de la mairie pour la rehausse des salaires. Oui. Et il faut que j'aille défendre les retraites à la Budaison aussi, parce qu'à la Budaison, ils ne touchent pas grandement aux retraites, monsieur. Ça, vous l'avez dit, c'est clair. Mais, je vais faire une question comme ça avant de partir. Si vous commencez votre manifestation à Mugyo, puisque vous... Vous avez fait un retard, monsieur. Oui, non, mais laissez-moi vous expliquer. Si vous commencez votre manifestation, je vais dire n'importe quoi, à 9h du matin. Oui. Et si elle se termine à 9h30, oui. À 11h à Mugyo, il n'y aura personne. Ah, mais vous, on ne peut pas y être, c'est sûr. Et voilà. Contre, vous savez, on a des outils modernes, on a des téléphones. Hein. Mais on téléphone et on se fait remplacer. Ah, d'accord. Et alors, vous téléphonez à qui? Moi, pour tout vous dire, j'ai la chance, j'ai un beau-frère, je téléphone à mon beau-frère, il fait un autre métier, et il est au courant de tout, il me renseigne, moi. D'accord. D'ailleurs, je vais l'appeler. Mais il est manifestant professionnel, lui aussi? Non, il est simplement flic. Ah, d'accord. Bravo, au toucher, Gisley et Gérard, au toucher. C'est le sketch de Mandel. On est les 3G. Je m'aperçois qu'il y avait pas mal de gens de Budaison, parce que quand ils ont parlé de maintenir les retraites, avec tout le monde a applaudi. Hein, il y en a pas mal de Budaison. Il y en a qui viennent de Vergès aussi. Hein. Du Gard. Il y en a, je crois, de Candiar aussi. Il y en a de Saint-Brest. Il y en a de la rue de la Motte. Hein. La rue de la Montagne, je le savais qu'il y en avait. Il y a de tout ce soir. Il y a de Mugyo aussi. Et encore, il n'y avait pas de quoi stationner, sinon on aurait eu encore plus de monde. Allez, on continue. Maintenant, on va passer avec deux jeunes filles qui vont vous faire une danse, une démonstration de danse moderne. Ça va changer un peu le reste. Et écoutez, je vous laisse vous débrouiller. Emma, encouragez-les.
Et bravo à ces deux jeunes filles, Maëva et Emma. Elles aussi, elles viennent de les vacances, c'est sûr. Si c'est pas les vacances, ça va vous rappeler une série TV. Vous regardez peut-être le lundi soir. Voir en plus et affinité avec Replay. Ce soir, vous l'avez en live. Vous savez, je parle beaucoup d'anglais, pour ceux qui ne comprennent pas, je peux traduire, ça veut dire en direct. Non. Vous allez voir ce soir, Camping Paradis. Alors, je vous demande de les applaudir bien fort. Quand ils seront prêts, nous le dirons. Quand ils seront prêts, nous le dirons. Mais non, ce n'est pas vrai. Et je n'ai pas d'oreillette, vous savez, dans les spectacles, les grands spectacles, le Cirque du Soleil, par exemple, vous avez, il n'y a rien à voir avec ça. Mais c'est mieux. Et ils ont des oreillettes, ils se parlent des coulisses, la technique que je remercie. Ils sont trois à nous rendre service ce soir. Il y a Christophe, il y a Boris et Jean-Marc pour la sécurité. Merci à vous. J'essaie de meubler, c'est pas évident, la fois que je... Mais j'aimerais qu'ils soient prêts, ça va rajouter. Voilà. Moi aussi, je fais de la poésie, au niveau. Quand vous êtes prêts, n'ayez pas honte, dites-le. Vous êtes prêts? Ah, il en faut un qui le dise, si tout le monde dit la sienne, c'est pas bon. Thank you.
Et à toute l'équipe de Camping Paradis. Un grand bravo à vous. Ils ont lutté pendant le temps. C'est fabuleux. Hey, là, Parizo, regardez. Parizo, regardez, Parizo. C'est un Rimoussi à la télé. Et à passager, il n'est pas mauvais. Ouais, c'est bien qu'il y a pas des boutiques. Ça, c'est pour la Saint-Valentin. Un grand bravo à toute l'équipe. Vous avez déjà eu l'occasion de les voir dans Rabbi Jacob, une grande partie. Tout le monde a eu sa rose. Plus fort. Et là-haut, il n'y arrive pas, il n'a pas les bras assez longs. Ah, mais ça va tourner. Oh là là là. Un grand bravo à toute l'équipe. Et merci pour cette prestation. Vous avez vu la caméra? Il y avait quand même le téléphone là. Montre là ta caméra, GG. Fabrication GG. Télé GG. J'y vais, j'en ai dans le sujet. C'est Mickey qui nous fait les décors. Avec beaucoup de talent. Allez, on continue maintenant, juste un peu avant l'impact. Je vous en prie. Nous aussi, incontournable de la joie de vivre. Il nous a amené la soirée de samedi dernier. Et puis nous avons passé une excellente soirée avec son groupe. Et Rio Allegro. Mais nous aussi, on a passé une bonne soirée en votre compagnie. C'est très gentil. Josie. Je vois pas clair. Alors voilà, la première chanson, c'est une incontournable, c'est une chanson de Madame Edith Piaf. Alors à la technique, comme on n'a pas eu le temps de se voir ni de faire des essayages, donc vous allez suivre dans l'ordre où j'ai mis. Voilà, le numéro 1 sera le numéro 1, bien sûr. Et le 2. Et le 2 sera aussi le numéro 2. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Demande si tu m'aimes, je m'en fous du monde entier. Tant que l'amour. Thank you.
ce qui se avec des lumières, mais bon, ça va le faire. Bon, voilà, la deuxième et la deuxième, c'est une chanson de Kenji Girac. C'est pour toutes les mamans aujourd'hui. Les yeux de la maman. Tu la connais, la chanson ? Quand j'ai froid, elle se fait lumière, comme un soleil dans l'existence. Quand j'ai mal, elle se fait prière, elle me dit tout dans un silence. Quand je souffre, elle souffre avec moi. Quand je ris, elle rit aux éclats. Mes chansons sont souvent pour elle, elle sera toujours ma merveille. Quand je ne suis pas à la hauteur, elle est là.